Freestyle is his game. His competitors admire him, respect him, fear him. Known for his upper body strength, the sheer power of his arms can pull him through the water at speeds fast enough to break multiple world records and leave 16 Paralympic medals in his wake. Benoit Huot, Paralympic swimming, and one of the super athletes. Ah, il était à, ah, ça marche. Il était à mute. OK. Non, vous m'entendez mieux, mais ça, je pense que même micro, pas micro, en arrière, vous n'avez pas de la misère à m'entendre. Alors, voilà, vous voyez devant vous le requin. Je trouve ça le fun que cette belle campagne publicitaire-là a été faite. J'ai l'air d'un super héros. Alors, je suis le nouveau Iron Man. Je pensais qu'il allait m'ajouter dans les Avengers, mais peut-être pour la prochaine édition. Alors, tout d'abord, vous devez tous vous poser la question. Qu'est-ce que ce gars-là fait aux Jeux paralympiques? Hein, il n'a pas l'air d'avoir, c'est une très bonne question, il n'a pas l'air d'avoir un handicap apparent. Alors, on passe tout de suite au vif du sujet. Je suis né avec un léger handicap à la naissance, ça s'appelle un pied bot. Avez-vous une idée de ce que c'est un pied bot? Non, pas tout à fait. Ouais, un pied croche. Il y a différentes définitions, différentes sortes de pied bot. Pour faire une histoire courte, les gars, on voit, ici, c'est le petit bébé, c'est Benoît. Encore ici, là, ici, j'étais en vacances à Cancun. Non, j'étais dans mon bain à la maison, puis pourquoi je vous montre les photos, c'est pour vous montrer quand j'étais petit bébé, bon, il y avait un plâtre, puis là c'est difficile à voir parce que c'est blanc sur blanc, mais j'ai eu un plâtre dès la naissance. Ici, ça c'est ma première blonde, encore une fois, c'est ma grande sœur Geneviève, mais j'ai encore mon plâtre sur la jambe droite. Et puis pour faire une histoire courte, quand je suis né, les médecins... Ça ne rend même pas compte que je suis né avec une malformation. Ils disaient à mes parents, Madame Huot, Monsieur Huot, vous avez un super beau bébé, Benoît est en pleine santé, vous pouvez retourner à la maison. Alors j'avais 3 jours, mes parents retournent à la maison avec moi. Et puis, pour dire comment c'est un léger handicap, ça a pris 7 jours, donc une semaine avant que ma mère se rende compte de quelque chose. Elle est en train de me changer la couche. Et tu sais, quand tu changes la couche d'un enfant, mais ton regard est directement orienté vers les pieds, vers les jambes. Et là, en me changeant la couche, comme la plupart des gens, on a les pieds droits. Ma mère, elle se rend compte qu'au lieu d'avoir les deux pieds droits, la jambe droite, le pied est orienté, comme vous disiez, là, le pied est orienté vers l'intérieur, et puis la gamme orteille peut même toucher au talon. Et là, ça a l'air un peu écœurant, même, hein, quand on... Mais il faut s'imaginer, hein, vite, j'étais un petit bébé, nos os sont tous là, mais ils ne sont pas encore tous solides. Alors ma mère, elle voit ça, elle dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Alors, elle essaie de repositionner les droits, ce qu'elle pouvait faire. Et selon ses dires, ça me faisait pas mal, je pleurais pas. Mais aussitôt qu'elle lâchait la tension, le pied revenait dans la mauvaise direction. Alors là, ma mère, elle prend le téléphone. Et elle prend le téléphone, elle appelle mon père. Elle dit, Gilles! Elle dit, ça n'a pas de bon sens, Benoît, il y a un problème à son pied, il faut retourner à l'hôpital. Elle est en panique. Alors, mes parents retournent à l'hôpital et les médecins se rendent compte qu'effectivement, c'est un pied bot. Ils expliquent à mes parents c'est quoi. Là. Ils disent que, Billy, je souhaite que ça n'arrive pas, là, mais ils disent que le pied était mal positionné dans le ventre de ma mère durant la grossesse. Et il faut faire une intervention chirurgicale. Il faut qu'ils fassent une opération au tendon d'Achille. C'est ce qui relie le mollet au talon. Et pour reconstruire le pied, pour qu'un jour j'aille la facilité à me déplacer comme je le fais aujourd'hui. Et puis pendant 1 an et demi, les médecins m'ont positionné un plâtre comme on voit sur les photos. Alors, j'ai eu un plâtre pendant de ma première semaine, quand j'avais une semaine, jusqu'à 1 an et demi. Puis mes parents retournaient à l'hôpital avec moi à toutes les semaines pour changer le plâtre. Parce que bon, en vacances, à Cancun, hein, le sable, il rentre et tout. Mais je grandissais et puis il fallait s'assurer que tout était adéquat pour que le pied se développe de la bonne façon. Et là, les gens me posent souvent comme question, comment ça fonctionne? T'as-tu ta jambe? C'est quoi un pied bot aujourd'hui pour Benoît? Mais c'est cette jambe-ci. Et là, c'est difficile à voir parce qu'il y a pantalon, chaussures. Mais si vous venez à la piscine me voir, vous allez voir la différence entre tes deux jambes. Mais l'handicap est présent du genou au pied. Alors, du genou au pied, tout est plus petit. Et on dit, en termes médicaux, c'est atrophié. Alors, j'ai peu de masse musculaire dans le mollet.
un pied qui est beaucoup plus court que l'autre. Alors, pour éviter, si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais deux paires de chaussures parce qu'il y a une grande différence en longueur de pied. Alors, présentement, j'ai deux 9,5 parce que j'ai un 9,5 pour ma jambe gauche. Mais celui-ci, je porterais seulement un 6 pour la longueur de pied, alors environ 2 pouces et demi de différence en longueur. Et ce qui me permet vraiment de participer dans les compétitions paralympiques, c'est la mobilité dans la cheville. Vous avez vu tantôt Émilie avec son vidéo, regardez comment ses pieds sont pointés. Hein? Moi, je ne peux pas faire ça avec ma cheville. Regarde, celle-là, aucun problème. J'ai la mobilité, celle-ci, elle ne bouge pas. Vous voyez, je peux bouger la chaussure, mes orteils sans problème, mais la cheville est peu mobile. Alors, c'est ce qui me permet de participer dans les compétitions paralympiques. Maintenant, les gens me posent souvent comme question, ils me disent, « Ben là, Benoît, c'est sûr que tu gagnes toutes les médailles, ton handicap est tellement léger hein, que quand tu vas aux Jeux paralympiques, tu dois ramasser toute la kit. » Mais c'est important, de un peu comme ce que Marilyn disait, c'est important d'éduquer les gens sur ce que c'est les sports paralympiques. Il y a différentes catégories d'handicap, et c'est pour ça que j'aime ça l'expliquer dès le départ. Catégorie numéro 10. Quand je vais aux Jeux paralympiques, je fais de la compétition contre des athlètes qui ont tous un handicap similaire au mien. Donc, en natation paralympique, par exemple, il y a 10 différentes catégories. Et puis moi, je suis dans la catégorie numéro 10 qui se rapproche le plus du sport olympique. Et je fais de la compétition, pas tous contre des athlètes qui ont un pied beau, mais tous contre des athlètes qui ont un handicap similaire au mien. Puis là, c'est des médecins, des physiothérapeutes, des classifieurs qui nous positionnent dans chacune des catégories pour que ça soit juste pour tout le monde. Puis vous connaissez hein, Chantal Petitclerc? Vous avez déjà entendu. Chantal, si elle faisait de la natation, elle est en fauteuil, elle n'a pas la mobilité de ses jambes. Chantal, elle serait dans la catégorie numéro 4. Puis elle ferait de la compétition seulement contre des athlètes dans la même catégorie que la sienne. Juste pour vous donner un exemple de comment les catégories fonctionnent. Alors ce matin, parce que je veux que vous ayez la chance de me connaître un peu plus, je veux vous parler un peu de mon parcours rapidement, de mon parcours paralympique et les 4 jeux auxquels j'ai participé. Et ce que je veux vous parler, c'est tout le temps la même épreuve, le 200 mètres 4 nages. C'est mon épreuve que j'ai le plus de facilité, l'épreuve que j'ai maîtrisée le mieux au travers des années. Et je vais passer super vite sur les quatre jeux que j'ai participé. Et tout ça a commencé à Sydney en 2000. Ça, ce que je vous présente, vous allez voir à chacune des étapes, c'est ma réaction suite à l'épreuve, le 200 mètres 4 nages, à chacun des jeux. Et pourquoi je vous montre la photo, c'est que je trouve qu'une image, ça vaut 1000 mots. Ça veut tout dire. Je ne pourrais même pas parler, vous savez que ça a l'air le fun. Hein? Et ça a l'air le fun. Alors, pardon? Ou ça fait mal. Non, c'est du pur bonheur. Alors, on est à Sydney. Ah, puis je trouve que qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand, regardez, on me met à côté. Je n'ai pas trop changé, je trouve, en 12 ans. J'avais seulement 16 ans sur la photo. Alors, j'aime ça voir que je vieillis quand même. Alors, j'ai 16 ans. C'est mes premiers jeux. J'avais rien à perdre. Tout est arrivé si rapidement. Je vais vite là, sur ma vie, mais tout est arrivé très rapidement à ce moment-là. Et puis, à chacun des jeux, il y a un mot qui est ressorti de l'expérience globale de chacun des jeux auxquels j'ai participé. Puis là, à Sydney, en 2000, on voit ma réaction. À ma première course, à ma première journée aux Jeux de Sydney, à l'âge de 16 ans, je remporte la médaille d'or aux 200 mètres 4 nages, l'épreuve que je vous parle. Et le mot qui est ressorti de cette expérience-là globale, c'est le mot « magique ». Ça a été des Jeux magiques de la journée numéro 1 jusqu'à la 14e journée. Je flottais sur mon nuage pendant les 14 jours. Alors, on quitte Sydney, on s'en va à Athènes. Encore une fois, la même photo. J'aime le nom verbal, la photo veut tout dire. J'ai 20 ans, deuxième jeu, je savais où je m'en allais, je savais ce que je voulais faire, et je nage le 200 mètres 4 nages, et ça a été la photo tout de suite après l'épreuve. Et je réussis encore une fois à revenir à la maison avec la médaille d'or aux 200 mètres 4 nages. Et c'est... Voyez-vous, même si j'étais jeune, j'étais un petit gars quand même jeune, au début de l'âge adulte, j'avais quand même une expérience des Jeux de Sydney. Je savais où je voulais m'en aller à Athènes. Et dans le fond, j'avais plus la magie des débuts, mais j'allais à Athènes pour faire une chose, et c'était performer. Et de A à Z, non seulement j'ai réussi à remporter la médaille d'or à Athènes sur 200 mètres 4 nages, mais ça a presque été des Jeux parfaits. 6 médailles, dont 5 en or. Alors, ça a été vraiment exceptionnel, ces Jeux-là. Et je suis revenu à la maison avec presque le Michael Phelps, si on veut, de la natation paralympique. Alors, on se dirige vers Pékin en 2008, beaucoup plus mature, 3e paralympiade. Et voici la photo qui est ressortie du 200 mètres 4 nages. Les instants après la course. Et j'avais le potentiel à Pékin de devenir le premier nageur au monde, autant aux Jeux olympiques qu'aux Jeux paralympiques, à remporter
trois fois consécutifs la même épreuve sur trois jeux consécutifs. Donc, le 200 mètres 4 nage. J'étais champion du monde. J'avais le record du monde. Tout le monde s'attendait, surtout moi le premier, à ce que je remporte la médaille d'or au 200 mètres 4 nage. Ça a été beaucoup plus difficile que prévu à Pékin. Et il y a eu différents facteurs, différentes choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que ça a été plus difficile. La raison majeure, bon, j'ai été atteint d'un virus, j'ai été affaibli dans les jours qui ont précédé la compétition. Par la suite, ben, je faisais face à l'adversité pour la première fois de ma vie. J'avais un adversaire qui venait du Brésil, qui, en l'espace de quelques mois, a battu tous les records du monde, alors que je n'étais plus Michael Phelps dans la natation paralympique. Et ça a vraiment changé ma donne. Et ça a été un moment très difficile. Et ce qui était ben, vous voyez, hein, je pense que la photo veut tout dire. Et le mot qui est ressorti de cette expérience-là, ça a été déception. Je suis revenu à la maison, bon, c'est pas la fin du monde, c'était une médaille de bronze sur 200 mètres 4 nage, à l'âge de 24 ans, à Pékin. Alors, je ressors de Pékin et j'étais encore jeune, mais ça a été des moments extrêmement difficiles, tant au niveau personnel qu'au niveau sportif. Je savais plus trop, j'étais perdu, je savais plus trop ce que je voulais faire avec tout ça. Et j'ai pris quelques temps pour y réfléchir, penser à tout ça. Et je me suis dit, ben, je vais quand même tenter ma chance et peut-être y retourner pour une dernière fois, dans 4 ans à Londres. Et puis, par contre, je me suis dit, je ne peux pas le faire comme je l'ai fait dans le passé. Je veux vraiment que ça soit concis, structuré, et je veux le faire avec une équipe qui va m'encadrer pour les 4 prochaines années, et que j'appelle mon équipe gagnante, là, qui va être présente à mes côtés, et que je vais sentir, même si je suis toute seule en arrière des blocs la journée à Londres, je vais sentir que j'ai mon équipe avec moi qui m'a supporté pendant ces 4 belles années-là dans mon séjour. 2 mois après les Jeux de Pékin, je me dis, je vais commencer à travailler avec un psychologue sportif, un des intervenants qui fait partie de mon équipe gagnante. Et un psychologue sportif, ça fait drôle là, des fois dans le sport, mais Émilie en a parlé un peu plus tôt, mais c'est primordial, surtout en fin de carrière pour un athlète, parce que c'est la petite chose des fois qui va t'aider à t'amener à l'autre niveau. Et Wayne, Alexandre travaille avec Wayne aussi, Wayne, il me dit, Ben, notre première rencontre, il dit, Ben, il connaissait un peu mon parcours, là, les 3 premiers jeux. Il dit, pourquoi que, pour la première fois, pour les 4 prochaines années, au détriment des autres jeux, là, tu vas avoir ton mot qui va t'accompagner avec toi pour les Jeux de Londres. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais tu sais, il y a magie qui est ressortie de Sydney. C'était pas un mot qui t'accompagnait à Sydney. Il y a performance qui est ressortie d'Athènes. C'était pas le mot. En fait, on voulait aller performer, mais c'est vraiment le mot qui est ressorti de l'expérience. Il y a déception. Hein. J'étais pas déçu en m'en allant à Pékin. Je voulais gagner la maudite médaille. Mais ça a été une déception. Mais là, il dit, pourquoi t'as pas ta philosophie, ton approche, ton attitude qui va t'accompagner avec toi pour les 4 prochaines années? Puis je lui dis, ben OK, je vois où tu veux en venir, mais je dis, pas si facile que ça à faire. Et il dit, retourne à la maison, fais du brainstorming dans ta tête, et puis pense à ça, puis reviens-moi la semaine prochaine, et reviens-moi avec ton mot que tu veux qui t'accompagne, non seulement à Londres, mais pour les 4 prochaines années, et dans ton aventure jusqu'au prochain jeu. Alors, je suis retourné à la maison, j'ai pensé, et ce qui est vraiment ressorti de ça, c'est simplement le mot plaisir. Je voulais avoir du fun. Du fun au quotidien, arriver à la piscine avec un sourire aux lèvres et pousser la machine, en pensant pas nécessairement au résultat final, à la performance, mais vraiment avoir du fun, comme si c'était la dernière fois que j'allais faire cette aventure-là. Alors, c'était vraiment long, je m'accompagnais, puis le stade, c'est où qu'on est structuré, où qu'on s'entraîne. Alors, je me présente en 2009 à Rio, 1 an après les Jeux de Pékin, et on était au championnat du monde, et ça, c'est le Brésilien que je vous parlais tantôt, là. L'athlète, le nouveau Michael Phelps, qui domine vraiment la catégorie. Et là, j'arrive au 200 mètres 4 nage et je suis vraiment pompé parce que j'ai une bonne année. Tu sais, ma philosophie fonctionne, j'ai du fun, ça va bien. Et je nage le 200 mètres 4 nage. Le 200 mètres 4 nage, c'est une épreuve très stratégique. 50 mètres papillon, 50 mètres sur le dos, 50 mètres à la brasse et 50 mètres au crawl. Et ce qui arrive dans cette épreuve-là, qui est très stratégique, tu n'as aucune idée de t'es situé où vraiment dans la piscine jusqu'à temps que tu arrives à la dernière longueur. La course est presque finie. Quand tu respires sur le côté au crawl, parce que papillon, tu respires en avant. D'autres, tu regardes le plafond, le ciel, la brasse, tu es en avant. Puis le crawl, tu regardes sur le côté. Alors j'arrive, j'ai confiance. Le Brésilien, bon, il est chez eux, il est à Rio. Ben, il n'est pas nécessairement bon en 4 nages, mais j'ai eu une très bonne année. Fait que je pense, puis j'ai du fun, alors je pense que je vais bien faire. Alors je nage, le 200 mètres 4 nages. André, lui, est reconnu. Il s'appelle André, le Brésilien, est reconnu pour partir vite en papillon.
Sauf qu'encore une fois, je ne sais pas, il est situé où dans la piscine? Très fort en papillon. J'arrive en dos, j'ai une bonne course. J'ai mon énergie, je ne suis pas malade comme à Pékin, les choses vont bien. J'ai une bonne course, ça va bien. J'arrive à la brasse, tout ça va bien. J'ai confiance en mes moyens et je tourne au crawl la dernière longueur. Et en tournant au crawl, c'est là qu'on peut voir où on est situé dans la piscine pour la première fois après 1 minute 30. Et je respire à ma droite comme toujours et l'eau, elle est complètement claire. L'eau est complètement claire. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Et là, je me pose pas trop de questions parce que les choses vont vite dans une course. Hein. On nage. Et là, je réalise que, j'ai même pas le temps de réaliser, je touche au mur et l'eau, elle est vraiment complètement claire, je vois vraiment rien à ma droite. Je touche au mur, je regarde le chronomètre et André a gagné la médaille d'or. J'ai terminé deuxième, alors c'est quand même une position mieux qu'à Pékin en 2008. Mais André avait, oups, la misère avec mon piton, André avait remporté la course par 7 secondes. 7 secondes qui différenciaient la première place, il avait battu le record du monde, il dominait André. Il avait non seulement remporté cette course-là, il avait remporté 8 médailles d'or lors des championnats du monde. Alors, ça, c'était le podium suite à la course. On voit André ici. Alors, j'étais heureux. J'étais content parce que, on se souvient, ma philosophie, c'est d'avoir du fun, faire parler du monde. Mais sur le podium, cette journée-là, à Rio, en décembre 2009, j'avais un pincement au cœur. Je me suis dit, Ben, peut-être que tu ne gagneras plus jamais de médaille d'or. C'est peut-être derrière toi. Puis c'est ça, j'avais trouvé ça difficile quand même à accepter, mais le lendemain, j'avais tourné la page parce qu'André était juste très dominant. Et là, je reviens à la maison et mon psychologue sportif, il m'amène ces 4 lettres-là. Il m'amène ces 4 lettres-là. Il me dit, mets ça sur ton frigidaire. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, M-E-D-C? Et il dit, Ben, on est à exactement 1000 jours des Jeux de Londres. Il dit, je veux que tu te souviennes de ces 4 lettres-là et que ça te suive jour après jour. Et c'est en anglais, c'est un anglophone, il dit, make every day count. Fais en sorte que chacune des journées compte. Et c'est ce que j'ai retenu et ça m'a accompagné jusqu'à Londres. Alors, juste pour vous donner, on fait des maths un matin, là, et c'est un peu que les gens qui sont dans le monde des chiffres, là, dans le monde des affaires, là, un peu pour vous dire, mon objectif à long terme, c'est essayer d'aller chercher peut-être 7 secondes. Mais en mètres, ça faisait 8,4 secondes qui séparaient André, parce qu'il nage à 1,2 mètres à la seconde. Alors, ça fait exactement 7 secondes. C'était énorme! C'était énorme et c'était presque impossible. Mais j'y pensais pas trop. On s'est dit, bon, il faut des objectifs à court terme. Alors, on a focusé sur des objectifs à court terme, un peu comme vous l'avez, hein, par trimestre, si on veut. Alors, on a fait la même chose et puis on s'est dirigé par la suite en gardant l'idée, mais en y pensant pas trop. On voulait juste avoir du fun et avoir du plaisir pendant ces 4 belles années-là. Alors, ça, c'est une photo de moi aux qualifications. Je vous transporte et je vous ai amené la vidéo parce que je voulais montrer ce qui s'est passé le 30 août 2012 à Londres et aux 200 mètres 4 nages. Alors, on voit les 8 nageurs alignés ici. Moi, je suis juste ici avec le casque blanc. Le tatoué ici, c'est André. Il est juste à ma gauche. Et puis, je vais vous l'arrêter à 2 reprises pour vous montrer comment on s'est passé. Alors, on part avec le papillon. Vous allez voir André à ma gauche toujours. Il part extrêmement vite. Je suis là, André ici. On voit André comment il part vite, c'est très dominant. Mais encore une fois, je ne le vois pas bien bien parce qu'il respire devant. On voit André, moi je suis ici. Ça, c'est une longueur, on s'en va en dos. Là, moi je suis troisième au temps de passage. Ok, premier arrêt. Vous voyez les petites bouées rouges? Ça, c'est 75 mètres. Alors, on est à 75 mètres sur 200 mètres. Et puis, moi, je suis ici. Vous voyez mes yeux? Je vois le plafond à l'ombre. Ça, c'est André. Il peut tricher un peu puis il peut voir où est-ce que je suis. Mais moi, j'ai aucune espèce d'idée où est-ce qu'il est situé dans la piscine. Ce qu'on a fait dans les trois années qui ont suivi Rio, on a regardé la vidéo d'André, la course du 200 mètres 4 nage, plus de 100 fois. On sait, la différence qui est arrivée à Rio en 2009, c'est qu'André, il est moins bon en dos et en brasse. Mais là, il s'était amélioré, il l'avait travaillé. Puis, on ne l'avait jamais rattrapé comme on faisait avant. Et là, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, Ben, avec nos entraîneurs, avec notre équipe gagnante, c'est si on veut se donner une chance de peut-être battre André, il faut qu'on réussisse à y mettre de la pression dès la deuxième longueur. Peut-être que ça va nous
prendre plus d'énergie qu'à l'habitude. Peut-être qu'on va, on va avoir plus de difficultés à finir la course. Mais au moins, on va savoir donner une chance. Et c'est ce qu'on voulait faire ici. Alors, je nage à un rythme très élevé pour un 200 mètres à ce moment-ci de la course. Mais puis encore une fois, je ne sais pas où je suis, mais si j'avais une idée, là, si j'avais vu cette image-là, je serais quand même content. Mais là, on continue la suite. Backstroke, lovely backstroke. Smooth. Alors, regardez le rythme que j'ai. Versus André. Benoit Hewitt coming back very strongly on this backstroke leg. Yeah, André Brazil, very, very good on the butterfly. Very good on the backstroke. Yes, nice one. Alors, Étienne, n'est pas loin. OK, on arrête. Ici, c'est le moment le plus difficile de la course. Parce que vous voyez, je suis encore sous l'eau. Alors, on a fait plus que 10, 11 mètres sous l'eau. Et j'ai utilisé les forces de la nature. Sans m'en rendre compte. Vous voyez, je regarde le fond de la piscine. Je veux être le plus hydrodynamique possible pour minimiser la résistance. Alors, je minimise la résistance. Et ce que j'ai fait, je ne regarde pas sur le côté de même pour voir, il est haut, tu vas perdre du temps. Pas non plus le vent même, je perds du temps. Je suis droite comme une barre en dessous de l'eau. Un peu comme les plongeurs le sont quand ils sont droit, droit, droit. Et là, sans m'en rendre compte, je vois une ombre au fond de la piscine. Pas fou, hein? La seule personne qui est à ma gauche, la force de la nature, c'est André. Alors, je vois que son ombre, elle est juste là. Alors, je me dis, Ben, panique pas. Les choses vont bien. Fais une bonne brasse. Tu as tellement travaillé fort. Les choses vont bien. Fais pas d'erreur. Ça regarde quand même bien. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu son nom. On continue. Open a gap because André Brazil is the freestyler supreme. If he is close to Benoit Hewitt, he will take the Canadian, I'm sure. So Benoit will be trying to get as much distance between himself and André Brazil as they go into the freestyle leg. And he's doing just that. Hewitt goes into the lead. It is Hewitt. Starting to edge ahead, the power on every stroke, lifts himself up, dives forward. That's how they make the most of every stroke. He really is starting to pull away from the rest of the field. He's really dominating this 200 individual medley onto the front crawl leg. Dernière arrêt. Encore une fois, j'ai aucune idée. Je m'en allais dans j'ai aucune idée où je suis situé où, mais je m'en allais dans cette course-là pour. Tu sais, des fois, tu te dis, ben, je m'en vais pour gagner un médaille d'argent. Tu sais, c'est ça mon thinking, parce que je pensais pas qu'il était battable. Et là, je suis dans la course, et je prends ma première respiration, et j'ai exactement la même image qu'à Rio en 2009. L'eau, elle est complètement claire. Et là, quand je nage, je vois l'image, je me dis, attends, t'as pas tant de pensée, là. Mais je me dis, j'ai déjà vu cette image-là, moi. C'est la même chose. Puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, les choses vont vite, mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai. Il devrait être dans mon champ de vision, au moins un peu en avant, un peu en arrière, mais il devrait être là. C'est pas vrai qu'il y ait encore 7 secondes en avant de moi. Et on va réagir. The stroke he loves to do, but it is Brazil. Good freestyler as well. 4 gold medals at the last Paralympic Games, but had to settle for silver in the 200 medley. Someone who contracted polio as a child. It is Hewitt really dominating now. And Benoit Hewitt now coming into the last 10 metres. It's going to be gold for Canada here. We'll watch the time. The record stands at 2:10.26. A great start. Yeah. Yeah. Yes, sir. And it's a new world record for Canada. Merci. Alors voici la fameuse photo. Et voici la médaille. Merci, vous avez été gentils. Merci. Merci.